Dans cette vidéo, découvrez les étapes clés pour vérifier la TVA d'une voiture importée d'Allemagne. Il est essentiel de comprendre comment la TVA s'applique aux véhicules importés. En Europe, le taux de TVA standard est de 20%. Lorsque vous achetez un véhicule auprès d'un concessionnaire en Allemagne, le prix affiché inclut généralement la TVA allemande. En tant qu'acheteur français, vous devez payer la TVA française sur votre achat. Lorsque vous importez le véhicule en France, vous devrez déclarer la valeur du véhicule et payer la taxe correspondante pour être en conformité avec les lois françaises. Pour les véhicules neufs, la TVA allemande doit être déduite, tandis que pour les véhicules d'occasion, la taxe allemande reste en général acquise. Pour vérifier que vous avez payé correctement la TVA sur votre voiture importée, il est essentiel de rassembler et conserver certains documents officiels qui serviront de preuve auprès des autorités fiscales françaises en cas de contrôle tel qu'une facture d'achat qui doit inclure le prix du véhicule ainsi que tous les détails concernant la TVA. Pour une voiture neuve, vous devrez payer la TVA française et récupérer la TVA allemande. Pour les véhicules d'occasion, la situation varie selon le vendeur. Si vous achetez auprès de concessionnaires automobiles, la vente est généralement soumise au régime de la marge bénéficiaire, ce qui signifie que la TVA allemande reste acquise et la facture doit mentionner clairement cette condition. Si vous achetez auprès de particuliers, il n'y a pas de TVA à récupérer en Allemagne, mais vous devrez toujours déclarer l'achat et payer la TVA française. Pour plus d'informations, tapez sur Google Gaillard Auto Guide pour découvrir nos conseils et astuces. Si vous craignez d'acheter une voiture avec un vice caché ou vous sentez incapable de vérifier le véhicule vous-même, confiez cette mission à Gaillard Auto et rejoignez plus de 2000 clients qui ont déjà utilisé nos services. Nous espérons avoir pu vous aider. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et partager cette vidéo.